C'est très bien. Donc, le cycle. C'est quoi le cycle de vie d'une plante? C'est la transformation? C'est la transformation d'une plante. Donc, nous allons voir les étapes de transformation de quoi? Donc, nous allons voir les étapes de transformation d'une plante. Vous avez compris? Donc, quelle est la première étape d'une plante? C'est la graine. C'est bien? La première étape. C'est la graine. C'est quoi, là? Alors, qu'est-ce qui arrive à cette graine quand on la met dans l'eau et dans la terre? Ou bien, quand on la met... Levez la main, oui. Taha? Elle grandit. Comment j'appelle ce grandissement? Ce grandissement de la graine. Comment je l'appelle? Il a un nom. Oui. Ça s'appelle la germination. Ça s'appelle la germination. Donc, c'est quoi la germination? Qui est-ce qui m'explique c'est quoi la germination? Oui, Azhar, transformation de quoi? C'est la transformation de quoi? D'une graine en plant, en plante. Comment j'appelle la première plante qui apparaît? La première plante qui apparaît, comment je l'appelle? Oui. C'est la plantule. Et la première racine qui apparaît, comment je l'appelle? Mosler? C'est très bien, la radicule et la plantule se plantent. C'est les premières plantes de la graine. Qui apparaissent après la germie. Après. Très bien. Cette plantule et cette radicule, elles vont nous donner quoi? Cette plantule et radicule vont nous donner quoi? Oui, Irma? Elle va donner la plante adulte. Maintenant, cette plante adulte, elle se constitue de quelle partie? Les parties, donc Youssef, quelles sont les parties de? Quelles sont les parties de? La racine. La tige. La feuille, ou bien les feuilles, c'est bien? Oui. Donc, cet ensemble-là, comment je l'appelle? C'est une plante comment? Oui? La plante adulte. C'est la plante adulte. Cette plante adulte, elle va avoir de nouvelles choses ici, vont grandir de nouvelles choses dans la plante adulte. Il va contenir de nouvelles choses, oui, hein? Il va devenir une fleur. Il va donner une fleur, c'est bien? Oui. Chaque plante adulte va fleurir, on dit fleurissement. Le grandier fleurit. Chaque fleur contient quoi? Contient deux parties, oui, Zakaria? Elle contient des pétales et des sépales. Qu'est-ce qui va arriver à la fleur? Qu'est-ce qui va arriver à la fleur? Oui, elle... Blala? Très bien, elle va devenir un fruit. Chaque fleur va donner un fruit, c'est bien? Un fruit qui est comment? Prêt. Prêt, un fruit. Prêt. Ce fruit là contient quoi le fruit? Maître. Ce fruit contient quoi? Maître. Ce fruit contient quoi, Imran? Il contient des graines. Et cette graine va lui arriver quoi? Des graines. Germination. Et cette germination va donner quoi? Et cette plante adulte va donner quoi? Et cette fleur va donner quoi? Et ces fruits vont donner quoi? Comment j'appelle ceci? Le cycle de vie de quoi? De la plante. C'est très bien. Donc, tu lis l'exercice 1. Tu lis l'exercice 1. Oui, Youssef. Relis chaque photo à l'étape de croissance qui lui convient. C'est en terre dans la bonne condition. Bien. Alors, la graine mise en terre. La graine mise en terre dans de bonnes conditions. Germe, vrai ou faux? Tu lis la deuxième phrase, Zakaria. Donc la radicule, c'est la première racine qui sort de la plante. C'est vrai, c'est très bien. Donc la troisième phrase, Imran. La fleur se transforme en fruit qui le contient. Faux. Donc c'est faux, bien sûr. On passe à l'exercice. Graine, fruit.
Oui, c'est bien, continue. Une plante à fleurs née d'une... D'une quoi? Une plante à fleurs née de quoi? Une plante d'une graine. Née de quoi d'une? D'une graine. Continue, Mohamed. Qui fleurit. C'est très bien, qui fleurit. Continue, Mansley. La plante grandit et devient... Devient quoi? Quand elle grandit, elle devient quoi? Fruit. Elle devient adulte. Elle devient adulte, bien sûr. Très bien. Continue, Tara. Elle fleurit. C'est très bien, elle fleurit. Après la fécondation. La fécondation devient des fruits. Les fleurs après la fécondation deviennent quoi? Des graines. Des fruits. Des fruits. Continue. Continuez. Contient de une plante à fleurs. Une plante à fleurs naît d'une graine qui germe. La plante grandit et devient adulte. Elle fleurit les fleurs après la fécondation. Deviennent des fruits porteurs de graines. Et le cycle recommence. Très bien. Qui germe, la plante grandit et devient adulte. Fleurit les fleurs. Après la fécondation, deviennent des fruits porteurs de graines. Et le cycle recommence. Une plante à fleurs naît d'une graine qui germe. La plante grandit et devient adulte. Elle fleurit les fleurs. Après la fécondation, deviennent des fruits. Porteur de graines et le cycle recommence. Une plante à fleurs naît. Bien, tu lis le troisième exercice. Voici le cycle de vie d'un pommier indique chaque étape de sa croissance. Donc nous avons le cycle de vie cette fois de pommier. Et on va voir les différentes étapes de sa croissance. Donc la première étape c'est quoi? Fatim Zara. La première étape avant le... Oui, si tu veux, oui, c'est le... Très bien, donc le fruit, deuxième étape, c'est quoi? Transformation. C'est la graine, montre-moi la graine. Voilà. La troisième étape, c'est quoi, Selma? La germination ou bien le germe? La plante adulte. Quatrième étape, c'est la plante adulte, ça. Après la plante adulte, qu'est-ce que nous avons, Imran? C'est la fleur, c'est très bien. Et la sixième étape, c'est quoi? C'est le fruit. Et le fruit, votre...